de l'âge de 12 ans, déjà nous apprendre que, au lieu d'apprendre à la rue, au lieu d'apprendre chez des amis, parfois on peut apprendre, on apprend des trucs d'une autre façon. Il y a des amis qui peuvent t'inculquer d'autres histoires qui ne t'aideront pas. Si le parent le font, ils vont le faire mieux. Je préfère que ce soit le parent qui le fasse. Et parler de la sexualité aussi, je pourrais demander, quand on le parle aussi à l'église, parce que l'éducation c'est un peu partout, dans les écoles, dans les églises, même dans nos familles, c'est un peu ça. La vie n'a pas été pour le baraque, non, ma parent n'a pas été sous ma jeune garçon, ma jeune fille. Il dit peut-être que les banes sont en train de se faire à travers les camarades. Ok. Maman, si Monique et moi, nous avons connu comme Bima, nous avons peut-être que nous avons connu comme Bima, nous avons comprendre que nous avons vécu. Les parents, nous avons La question de moi, si je suis là, je suis là. Ah, je suis là. 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 Je suis là.
makambo mbala mususu ya kusukula basani mbala mususu ya kukombola ndako mwana mbali sala boy soko za kenda klasa sala boy uzuni sala boy soko mwana kumi na aji ya 15 18 atolo bako ba minde bisoi mwana mbali ya kuvanda na ndako te kaka lera kono ya zanda kolo alungwa kasikona kulakisa makambo wane ya mwasi na mbali bazala bisika moko mwana mwasi na mwana mbali wana mbala mususu nanzelea klase ndenga bozao kenda boy omoni mtu alinga kayo abeta kayo kope yaka pesio mwami ke yo njimi okay kwa ibisa mama na yote ubandi kulia kaka bamikate ubandi kulia biloko na ndako mbala mususu okupesio mbongo ya mike mbala mususu okupesa misusu ubandi sikoye basilipa bana baso bandi silipa misusu mama na yaza kusumbila yoyo kulakisa yo siko bandi kusumba yo moko mama yebite uyoke mama yebite bandi kusumba bandi kubumba wana siko mabe kote na lero mwana mwasi bakenda kuyebise sinze mu komandima akoyebisa mama na yete wana soko amuni makila diboseza soko na muni makila diboso ifo mama na ngaya yeba mama na zuki pota ukulekisa mama na yo butakala nyoso siko butakala na bino biso tukoyeba ya ngute upangwisi kune sili uzwe lambu sili siko mbala mususu uzwaki na mwana mwasi uzwaki banzoto na bino busangisi usali makamuwa ni sili lero kuya nanda kolobi oh mama na bande kubele na zako kazoto na ngayi biente zoto na ngayi ukiye kulala mbala mwoku mikolo siko mbala basi mingi baza kulala peza umwana ibo inalembi ulembi usali nini kaa class 1 class ya karatozo kenda ba umi bale ukena tongo ukena puku kasibino kwa kena klasa uzungi, ukoti na mbalamoku na ndaku, oo na lembi. Ukena zando wa uzungi na lembi. Kulembo wana, bana mususu, nizahabia nte, na bana sikoyo. Bana mibali sikoyo, bazako bangi na bino, bana mibali sikoyo, tukulakisa kwa kwa lakisa kino misusu ya kusuku na mboku. Misusu ezalaki, awa tala basuke, zahibile, umane sikoyo, zana prodi mususu, usali boy, nyusu wanesi. Mwayebe yango, boye ba produit wan usali boye ukuma na basuke ya salite za hapo mwana na te boye bi angoti wala sikoi mwana mbali mususu baza hapo tambala na bakapote na bino wana boye bakapote biloko ya bachaka kotea bangu bala mikali wan akuzua yo kuzua zemite akuzua yo kuzua zemite ti soba lobi senka buko vivira kuna mama yebite papa yebite lukola ba papa bakenda kana tongo bazunga kana pukwa mbala mususu ni solo kwa basolo na bana mibali ya kuzalate mbala mususu papa akei alembi kule na musala mwaya aluba izate siko hiyo vandi siko hiyo vandi na mama siko yake uliyebisi mama na lembi ulali siko mama atikali katikati mwaya pesa konseye paya mwana mibali azate papa azalite mwaya yebisa yo ulubi ulembi izate nde siko mikolo yo ibebi buzunga na nzela kuzuma na nzela na makambu bubimisa o sengsa babala mwana mwasi tobo yite za apie kasi bafatiro bazaku sala wani bukenda kumusala bana mbali bana masi msusu bayebye lokote bukena mbeti na mbali bayebye lokote kumbungi sambeto bayebye lokote kulambe loko atama tembe lata loko ya pete bayebye lokote kasi fatire ya kapo profi na vine ya kapo ndako weza hapo ipo lekola tozana ndako boy tosala mariaja po toka bula mariaja ni kufa toka bula sikoyo izama be buzonga na nzela bino buza bako mwe buzonga na nzela oso izali ya biso to banda ya liboso fote za ya biso mama yebisi bino kala tozako yebisa bala makambi ya soni mwite tokoloba hey, izama be pa ina biso siko lokola tuyebi Yesu Kristo lokola mikunze tubandi ko yebi samwana soko ukumi umone makila yako yebi sangai uyoki mwana mtu soko atuni ngai na nzela atuni kutuni sangai na nzela te yake pai na biso ataba za senka baya yo moko okopola oyo okopona oyo akobala yo siko ebino boza ko sili samakangwana bakuta baye bate siko biso tuzako milungu uyoki siko biso tuzako na te wana yoke kusala makamu na yungana yebite papa yebite kasi kwetu
En ce qui concerne la sexualité dans la famille, les Africains font tabou de dire aux enfants c'est quoi la sexualité. Or que chaque parent responsable, il doit expliquer à son enfant la sexualité c'est quoi. L'inconvénient de la sexualité avant le mariage c'est quoi. L'importance de la sexualité dans le mariage c'est quoi. Il faut dire à un enfant la vérité. Lorsqu'un enfant va prendre en dehors de la famille, peut-être on va mal l'expliquer. Il peut se dérouter. Mais un papa responsable doit dire à son enfant, la sexualité c'est bon. Il faut être majeur pour que tu puisses te marier en ce moment-là. Mais la sexualité avant le mariage, il peut attraper la grossesse. À part la grossesse, nous avons les maladies, les sida, beaucoup des histoires. Aucun parent responsable doit expliquer à son enfant la sexualité avant le mariage n'est pas bon. Parce qu'il y a des inconvénients de ne pas attraper la grossesse. Ça va t'empêcher de voler avec tes épines. La maladie est là. À part les sida, nous avons aussi des maladies sexuellement transmissibles qui peuvent te rendre beaucoup de problèmes. Oui, oui. Et c'est pourquoi il est très important, chaque papa responsable de la famille, d'expliquer à ses enfants. Même au niveau de notre église, nous avons un département des hommes addicts. Même un enfant qui a atteint l'âge de 18 ans, il assiste aux réunions lorsqu'on parle de la sexualité. Lorsque la famille elle est bien éduquée sur la sexualité, l'enfant, même quand il ira fonder leur famille avec son mari, il sera bien éduqué. Parce qu'il y a d'autres personnes, même au niveau de la sexualité, qui sont mal éduquées. Ah oui, on ne l'a pas bien appris. Tout ça, on apprend ça dès le bas âge dans la famille. Parce que la famille, c'est le base, le développement même d'un pays. Lorsque la famille est bien éduquée, le pays aussi sera bien éduqué.